Albeida, pardon, qui va accompagner tout simplement ce championnat et ses quatre prétendants. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies and gentlemen, welcome to the next championship, the Junior Male Championship. Et nouvelle fois, vous avez eu un aperçu de cette classe, de ces championnats junior mâle. Les quatre participants que vous avez pu voir évoluer individuellement vont, comme tout à l'heure, venir nous rejoindre collectivement, cette fois-ci dans l'ordre croissant de leur numéro de dossard. Le 74, le 79, le 83 et le 84. Les meilleurs 2 ans et les meilleurs 3 ans sont ici réunis pour notre plus grand plaisir dans ce championnat junior mâle à la Beida Stud 2015, ici pour cette Deauville Arabian Cup. Et la mission n'est pas forcément très facile pour les quatre juges internationaux qui vont devoir une nouvelle fois donner leur jugement, leur avis. La légèreté et l'élégance sont donc les maîtres mots cet après-midi.
Merci beaucoup, messieurs, mesdames les juges. Thank you very much, the judges. Et encore une nouvelle fois, bien quelques applaudissements seront les bienvenus, pardon, pour ces chevaux, pour ces présentateurs. Bonne chance à tous les quatre. Les résultats dans quelques instants pour ce championnat junior mâle parrainé par Al Beida Stud. Bonne chance au 74, au 79, au 83 et au 84. Lequel sera cheval d'or tout à l'heure? Eh bien, réponse maintenant dans quelques instants. Thank you very much to all the four contenders in this Junior Mile Championship 2015, sponsored by Al Beida Stud. Good luck to number 74, 79, 83. And 84, which one will be the golden horse here in Deauville? Good luck to all of you. Les dés sont jetés pour ce championnat junior mâle 2015. We have the results and we have the composition of the podium for this 2015 Junior Mâle Championship here in Deauville. Which one will go to the World Championship 2015 in Paris at the end of November? Il n'y avait pas moins de 4 nationalités en jeu dans ce championnat. La Suisse, la Belgique, l'Israël et les Pays-Bas. Eh bien, mesdames, messieurs, la nation qui remporte la médaille d'or, the gold medal belongs to number 79, Gerian Alsimia for Belgium. 79, 79, la Belgique. Vous avez donc devant vous le plus joli mâle junior de ce cru ici Deauville de cette saison 2015. Bravo donc à Gerian Al-Jassimia qui représente ainsi la Belgique, toute l'équipe de Flaxman Arabian, c'est un fils de WH Justice et de Psy Sierra par Padron Psyché. Bravo à toute l'équipe, bravo encore une nouvelle fois à Gerian Al-Jassimia qui a été tout simplement le meilleur cet après-midi, le plus joli, le plus élégant, le plus léger. Il mérite encore une nouvelle fois d'entendre un triomphe, s'il vous plaît. La Belgique était la meilleure, Gerian Al-Jassimia. À la deuxième place, il obtient la médaille d'argent et sans suspense, sans plus attendre, nous allons pouvoir accueillir celui qui représentait la Suisse, le 74 OML Bellagio Silver Medal. Bravo à OML Bellagio,
Et là encore, WH Justice, qui est le père de OML Bellagio, la génération des 2 ans qui a pris le pas dans ce championnat sur celle de leurs aînés, sur celle des 3 ans, puisque la médaille d'or et la médaille d'argent appartiennent donc à 2 ans. Donc logiquement, c'est un 3 ans qui est en bronze et nous allons pouvoir l'accueillir. Il représente l'Israël, c'est le 83 à la barre JFD. Well done and congratulations to number 83, Albara JFD, by Solas J and C-Marx April Rose by Kua Mark. Israel is the third best nation this junior male championship. Congratulations to JFD Arabians, the owner, and Privilege SFQ, who was the handler. La Belgique, la Suisse, l'Israël, voici donc les 3 meilleures nations dans ce championnat. Bravo encore une nouvelle fois à ce magnifique podium et bravo surtout à Gérian Al-Jassimia qui obtient son billet pour les championnats du monde et donc pour officialiser cette médaille d'or sur la scène internationale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais donc vous demander une nouvelle fois de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, pour que l'on puisse écouter la Brabanson. Ladies and gentlemen, please raise for the Belgian national anthem. Eh bien, que vos applaudissements retentissent encore une nouvelle fois pour Gérian Al-Jassimia qui va nous offrir le tour d'honneur de ce championnat Al-Beida Stud 2015.